retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez demandé déjà depuis un petit moment et vous me le demandez de plus en plus. Je vais vous expliquer les grandes lignes de Pattern Keeper. D'abord, je vais vous montrer comment où le trouver déjà, comment l'installer, mais entre parenthèses, puisque moi il est déjà installé, donc il y a des manips que je ne peux pas refaire. Voilà, et vous expliquer comment on télécharge une grille, comment on lit la grille, comment on dit bonjour à Fifi. Oui, yo. Oui, yo, mon bébé. Oh, oui. Voilà, je vais tout essayer de tout vous expliquer. Bien sûr, si j'oublie des choses ou quoi, ça peut arriver. Ou s'il y a des choses que vous êtes. Voilà. Non, ça ne veut pas. Que vous n'avez pas bien compris. N'hésitez pas en commentaire à me demander, à me poser les questions que vous souhaitez. J'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, là, vous n'allez plus me voir parce que je vais vous faire le reste de. Je suis là, hein. Je vais faire le reste de la vidéo en capture vidéo avec ma tablette. Voilà, ce sera comme ça beaucoup plus clair et plus facile pour vous pour le voir. Oui, j'ai des bisous, j'ai des câlins, j'ai des namours, j'ai petit namour à maman. Maman, elle peut finir la vidéo? Oui, maman, elle peut terminer la vidéo. Enfin, la continuer. Oui. Allez, je vous laisse. Ne partez pas. La suite de la vidéo avec toutes les explications pour Pattern Keeper. Donc voilà, on va être sur la tablette. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis un micro, donc j'espère que ça ira bien. Donc, vous allez taper dans Google Pattern Keeper. Voilà, vous allez avoir directement ici Pattern Keeper par Google Play et vous avez ici Pattern Keeper, c'est le site internet. On va regarder déjà le site. Voilà, donc vous aurez également le lien dessus pour pouvoir re-télécharger. Pour pouvoir télécharger le logiciel. Voilà, donc là, on vous donne quelques explications. Bon, là, moi, je l'ai en français parce que ma tablette traduit directement en français. Alors, voilà ce qui peut vous intéresser. Ici, l'offre à vie, c'est 9$. C'est un achat unique et c'est 9$ pour toujours. Vous ne repérez jamais rien. Vous pouvez l'avoir pendant un mois gratuit. Je crois que c'est un mois. Mais après, si vous voulez continuer avec, il faudra payer les 9$. 9$, ça doit faire dans les 11€ quelque chose. Voilà, quelques poussières. Donc ici, c'est juste qu'on vous donne des explications sur ce site. On vous montre comment le logiciel est fait, voilà. Alors, nous, on va partir sur le Google Play. Bon, comme je vous ai dit, moi, il a déjà été installé. Donc, voilà, vous voyez, moi, c'est marqué accès anticipé parce que moi, il est déjà installé. Donc, il faudra que vous appuyez sur installer. Et on vous demandera de payer par la suite, mais vous aurez d'abord une partie gratuite. Je vous montre les images, voilà. Donc on vous montre comment c'est. Là, ça veut dire que ça a déjà été brodé. Voilà, bon, ça je vais vous le montrer directement sur la tablette, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, je ferme ma page et je vais ouvrir mon Pattern Keeper. Alors, moi, j'ai déjà pas mal de broderies dedans. Alors, d'abord,
Une fois que vous avez Pattern Keeper, que vous l'avez installé, vous allez cliquer sur le petit plus qui est ici en bas. Voilà. Les grilles que vous voulez mettre dedans doivent être en PDF et enregistrées sur votre tablette. Voilà. Donc, je vais voir si j'en ai une à télécharger. J'ai pas pensé à regarder avant. Alors, moi souvent ils sont dans le drive. Qu'est-ce que je peux mettre? Parce que comme j'en ai déjà. Alors, je vais vous télécharger laquelle qui n'y est pas, le cerf. Voilà. Alors, normalement, celle-là, ça devrait être bon. Voilà. Ouf! L'extrait du graphique ci-dessous a-t-il des lignes ou des colonnes ombrées ou légèrement colorées sur les bords? Donc là, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, on clique sur non. Et là, c'est pareil, on vous repose la question, donc on remarque non. Si jamais c'est ombré, ben là, vous marquez que oui. Alors, sélectionnez la bonne taille pour ce patron. Alors, c'est là que ça se complique un tout petit peu, mais c'est vite réparé. Je vais vous télécharger le cerf. Voilà. Donc, c'est une broderie gratuite de chez Sabine. Donc, là, on vous demande si vous avez des colonnes ombrées ou colorées. Il n'y en a pas. Donc, on clique non. Ici, il n'y en a pas non plus. Donc, on va cliquer non. Donc, s'il y en a, ben là, vous marquez oui, hein, bien sûr. Alors, je ne sais plus quelle taille il fait celui-ci. On va essayer. Voilà, donc là, ils nous disent que la grille est importée avec succès. La voici. Alors, vous avez vu, il y avait différentes tailles, mais ça, je vous réexpliquerai peut-être sur une autre vidéo si vous avez besoin. Alors, voilà. Votre grille, là, c'est l'image. Et ici, vous avez, là, voilà, vous avez toutes les références DMC avec les symboles. Donc là, vous avez l'image. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui est ici en bas. Voilà. Et vous avez votre grille. Voilà. Alors, ici, vous avez vos références DMC. Hop, je vais agrandir. Et ici, vous avez votre grille. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc là, le centre est noté, voyez, avec un petit point rouge ici. Alors, en haut, vous avez comme une petite fleur, comme un petit rouage. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous arrivez à une page de réglage. Voilà. Donc là, on vous demande pour les points terminés. Si vous avez déjà brodé votre point, est-ce que vous voulez ça se met en couleur translucide ou en couleur unie? Moi, je choisis toujours le translucide. Parce que comme ça, on continue à voir le symbole. Voilà. Donc, je clique sur translucide. Maintenant, on va cliquer pour rechercher une couleur. Alors là, il est sur le vert. Mais si le vert ne vous plaît pas, vous voyez, vous avez plein de couleurs. Les rouges, le rose, voilà, bleu. Alors souvent, moi, je mets jaune. J'aime bien. Alors pareil, vous avez plusieurs sortes de jaunes en bas. On fait valider. Et pareil, il y a la couleur de stationnement de couleur, de stationner la couleur. Alors ça, c'est quand vous allez stationner votre fil, le mettre en parking. Je vais vous l'expliquer après ça. Donc là, pareil, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Moi, souvent, je le mets en rouge. Voilà.
Donc, je valide. Ensuite, qu'est-ce que je mets d'autre? Là, vous avez le centre de la grille. Donc, montrez le centre de la grille, montrez le centre de la zone broderie ou ne pas afficher. Voilà. Moi, le centre est mis sur la zone broderie, donc c'est bon. Ensuite, je vous ai parlé dernièrement des lignes diagonales. Voilà, elles sont ici. Donc, vous pouvez choisir également la couleur pour les lignes diagonales. Ça, je les laisse au rouge. Voilà. Et vous avez les diagonales. Alors, du haut à gauche vers le bas à droite ou du bas à gauche vers le haut à droite. C'est plus souvent celui-là qu'il faut choisir. Donc, on choisit le deuxième. Les espaces entre les diagonales, voilà, 10 ou 20. Donc, c'est 10 points ou 20 points. Moi, je laisse sur 10 points. Si vous en voulez 20, vous mettez 20. On retourne en arrière. Afficher les progrès quotidiens, c'est déjà coché, et afficher la progression totale, c'est déjà affiché également. Alors, tout ça se réinitialise, voyez, alors soit à minuit ou soit à 4 heures du matin. Moi, je laisse 4 heures du matin parce que des fois, ben, à minuit, je suis encore en train de faire un petit peu de broderie, donc je laisse sur 4 heures du matin. Pour les réglages, là, je pense qu'on est bon. Couleur du saut de page, bah voilà, c'est pareil. Hein. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Voilà. Donc on va retourner en arrière. Et alors je vais agrandir. Voilà. Hop. Il y a eu une toute petite coupure, mais bon, je pense que ça ne s'est pas vu dans la vidéo. Il y a deux poilus qui ont voulu aller faire leur pays, pipi. Alors, on en était ici. Voyez. Alors, là, vous voyez, enfin, le premier carré où c'est marqué 10, bah, c'est le haut de la page. Donc, c'est en haut à gauche. Et vous voyez les lignes diagonales en rouge. Voilà. Maintenant, vous voulez commencer à broder. Alors, on va dire qu'on veut commencer. Donc, pour trouver, pour marquer les points que vous voulez broder, vous allez appuyer sur la loupe. Voilà. Et vous allez appuyer sur le premier point que vous souhaitez broder. On va, par exemple, vouloir broder celui-ci. Donc vous voyez qu'ils se mettent en jaune. Voilà. Maintenant, donc ici en haut sur la droite, vous pouvez voir que vous avez la référence de la couleur. Oups là, excusez-moi. C'est pas grave. Vous avez la référence de la couleur ici en haut à droite, donc c'est le 3033, c'est la référence DMC, et vous allez avoir 624 points à faire avec cette couleur. Vous êtes en train de broder donc cette couleur-là, alors par carré, là vous faites comme vous souhaitez, hein, ou en diagonale, ou. Bon, là c'est pas une broderie couverture pleine. Donc voilà, c'est du partiel. Allez, vous allez. Alors, je fais la grande. Oups, pardon, voilà. Alors, ne pour pas faire ce que je viens de faire, vous voyez, il était sur la loupe. Mais je n'ai pas protégé. Voilà, ça change. Donc, je vais remettre mon point, voilà, et vous appuyez sur le premier. Vous voyez, il s'est mis en noir, là, en gris. Et là, maintenant, vous pouvez bouger votre écran comme vous le souhaitez, les points que vous avez marqués ne bougeront plus. Donc vous êtes en train de broder vos petits points là, voilà, à droite, à gauche.
Vous les avez brodés, vous allez appuyer sur le petit crayon qui est ici en haut à côté de la loupe. Voilà, vous voyez, ça se met en gris. Et vous allez cliquer sur les points jaunes, donc ceux que vous avez brodés. Donc vous avez brodé celui-là par exemple, celui-là, celui-là, là, voilà. Ça, vous avez tout brodé. Vous allez aller en bas, il y a un petit rond bleu avec un petit V pour cocher. Vous allez appuyer dessus et vous voyez que vos symboles se sont mis en surbrillance. Ça veut dire que... Attendez, je protège l'écran. Voilà, je vous les montre de plus près, en plus gros. Ça veut dire que ceux-là, ben, vous les avez brodés. Donc, vous n'avez plus besoin d'y toucher, sauf si vous apercevez par la suite que vous avez fait une erreur. Je vais vous montrer. Vous voyez, il vous en reste un, par exemple. Je l'ai fait exprès d'en laisser un. Mais là, vous allez parquer votre fil, c'est-à-dire vous allez mettre votre fil en attente pour pouvoir broder les autres par la suite. Vous allez cliquer sur le petit crayon. Vous allez cliquer sur le petit symbole, comme je fais maintenant. Et en bas, vous avez effacé, vous avez le rond bleu et vous avez le plus. Vous allez appuyer sur plus, voilà. Et ici, vous allez stationner votre fil, donc comme vous souhaitez. Alors, vous pouvez stationner le fil dans le coin supérieur gauche, dans le coin supérieur droit, le coin inférieur gauche ou droit, voilà. Moi, ma façon à moi, je fais toujours... inférieur gauche. Et vous pouvez voir, alors je vais protéger mon écran, vous pouvez voir, voyez, qu'il y a un triangle rouge. Donc ça, le triangle rouge que vous avez posé, ça veut dire que vous n'avez pas terminé votre point, mais que votre fil est stoppé sur ce point-là. Donc quand vous allez reprendre cette couleur-là, vous reprendrez à partir de là. Voilà. Bon, j'espère d'être assez clair. Hein. Bon, maintenant, vous avez fait cette couleur-là. Vous allez vouloir changer. On appuie sur la loupe et on va appuyer sur le point suivant. Voilà, vous voyez, ça se met en jaune. Donc là, c'est la référence 9. Vous l'avez la référence en haut à droite, donc c'est la référence 950, et il y aura 328 croix à faire sur cette référence. Vous voyez, vous avez brodé, vous cliquez sur le petit crayon en haut, voilà, que je voyais maintenant en gris, et vous allez, comme tout à l'heure, cliquer sur les points que vous avez faits. Alors, vous pouvez aussi faire glisser, hein, voilà, comme ça, hop, ça va plus vite. Ça y est, ceux-là sont brodés. On va les valider en bas avec le petit rond bleu. Je les valide. Et voyez, ça se met également... Hop, je protège l'écran. Ça se met également en surbrillance, mais dans une autre couleur. Ça met la couleur du fil que vous venez d'utiliser. Du coup, vous allez, pareil, il vous reste un point à faire, par exemple. Eh bien, ça va être comme tout à l'heure. On va cliquer dessus. On va appuyer sur plus. Voilà. Et stationner le fil. Alors, comme vous le souhaitez, mais moi, je continue à faire inférieur gauche. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai deux fils d'arrêtés l'un à côté de l'autre. Voilà, mais de couleurs différentes. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Alors ici, si on appuie sur la flèche qui est là, voilà, ici vous allez avoir toutes les références DMC et à côté, c'est tous les nombres de croix que vous devez faire avec les couleurs qui sont mises. Voilà. Hop, là, ça peut se... Alors là, ça se mélange par nombre de croix. Vous voyez, si vous appuyez sur la croix là, hop, ici par exemple, bah, du coup, si vous appuyez dessus, le 30-33, il y aura 617 croix.
Après, c'est 591, 587, donc ce sera en nombre décroissant. Vous rappuyez dessus, ça sera en nombre croissant. Voilà. Et sinon, vous appuyez sur 1, 2, 3, et là, ça se met dans l'ordre numérique des références. Voilà, dans l'ordre croissant numérique. Et si on repuie dessus, ça se mettra dans l'ordre décroissant des références DMC. Voilà. Bon, moi, je laisse toujours dans cet ordre-là. Hop, attendez. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Alors, celui-là. Celui-là, je sais plus à quoi il sert. Bon, c'est rien, c'est pas grave. Voilà. Et là, vous avez vu, si vous appuyez directement sur le chiffre, vous pouvez avoir le tableau des références, voilà, avec les nombres de croix sur le côté. Hop là, j'étais trop vite. Je rappuie. Vous avez les croix, entre parenthèses, c'est le nombre de croix. Voilà. Et le chiffre va baisser à chaque, au plus vous allez faire des croix. Donc là, par exemple, sur celui-là, le 738, c'est marqué 430. Si vous en avez fait 10, ça sera marqué 420, 410, 400, voilà, jusqu'à arriver à 0. Souvent, alors sur le, souvent quand ça arrive à 0, ça marque news. Je sais pas, NEW, bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais quand vous avez terminé vos croix, par exemple aujourd'hui, il y a une couleur que j'ai complètement terminée aujourd'hui, ça va me marquer NEW en jaune. Par contre, demain, ce ne sera plus marqué, puisque le logiciel se sera remis à zéro. Voilà. Quand il se remet à zéro, il n'enlève pas les croix que vous avez faites. Hein. Voilà, toutes les croix. Tout ça, là, ça reste. Hein. Ça ne s'en va pas. Ici, sur le côté, vous avez, par exemple, ben là, on a fait 18 croix, 18 brodées aujourd'hui. Voilà, c'est comme si je les avais brodées. Hein. Donc, en tout, ben, il y en a 18 sur 16 500. 15 croix, ça c'est le nombre de croix qu'il y a sur cette broderie. Et aujourd'hui, ben, on a fait 0,11%. Voilà. Ben, écoutez, je pense avoir dit le maximum. Je vais retourner sur la page d'accueil. Si vous avez des questions là par rapport à quand vous brodez pour les symboles. Voilà, vous voyez par exemple celui-là, il y en a beaucoup plus. Il y en aura 812, c'est la référence 3864. Si vous appuyez sur celui-là, bah, ce sera la référence 3860, etc., etc. Et quand vous les avez brodés, n'oubliez pas, donc voilà, comme ça, hop, et voyez si vous pouvez glisser. Alors moi, je prends un stylet, hein. C'est un stylet de tablette, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Même là, vous voyez, alors où je peux vous. Ici. Vous voyez, il y en a une entre deux qu'on n'a pas brodée. Alors, depuis tout à l'heure, je montre avec mes doigts, alors que c'est une capture de vidéo, donc vous ne voyez pas mes doigts. Lol. Vous voyez que là, j'ai glissé. Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer une chose. Le petit triangle là, à l'envers, ne s'est pas mis en surbrillance puisque ce n'est pas le point que je devais faire. Donc ces points-là ont été brodés par exemple. On va appuyer pour valider. Voilà, c'est validé. Mais mince, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée. Ça se peut. On va laisser sur le petit crayon en haut là, à droite. Et ces trois-là, je me suis trompée. Voilà. Par exemple, je me suis trompée sur ces trois. Alors, attendez, je vais vous agrandir pour que vous voyez bien.
Les trois qui sont ici, que j'ai mis en surbrillance, voyez, je les, hop, là, je les enlève et je vais les remettre en surbrillance. Voilà. Je me suis trompée. Et vous voyez qu'en bas, il y a effacé. Ah ben mince, je me suis trompée, c'est pas cela que je dois effacer. Donc, je fais effacer, ça annule. Et maintenant, c'est ces deux-là que je me suis trompée. Donc, je les mets en surbrillance. Et il y a une petite grenouille en bas, dans le petit rond bleu. Vous allez cliquer sur la grenouille. Et voilà, ils sont revenus en jaune. Ça a annulé les points que vous aviez brodés et que vous étiez trompés, que vous avez démontés sur votre toile. Maintenant, je les rebrode. Voilà. Et je valide sur le rond bleu en bas. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Si, je pense que là, c'est bon. La grenouille effacée, c'est bon. Donc, voilà. Et ici, c'est pareil. Donc, alors, ah oui. Vous ne pouvez parquer qu'un seul point à la fois, un fil à la fois. Donc, par exemple, on va parquer ici, celui-ci. Je vais appuyer sur plus. Et pareil, comme tout à l'heure, j'appuie sur mon choix, gauche, droite, en haut, en bas. Voilà. Par contre, vous auriez voulu parquer les deux en même temps, ça c'est impossible. Voilà, ça c'est pas possible. Par contre, maintenant vous avez envie de le parquer, le deuxième, vous avez un autre fil, ça n'arrive jamais, mais bon, c'est un exemple que je vous montre. Maintenant, vous pouvez cliquer dessus, appuyer sur plus et le parquer également. Les points parqués. Les points en parking mis de côté, vous revenez là, vous voulez le broder, vous allez cliquer dessus, vous brodez votre point, hein, et vous allez le valider ici, voilà. Et ça y est, vous voyez, il a été brodé. Je vous remontre avec celui du dessous, je clique dessus et je le valide. Voilà, mes deux points que j'avais mis de côté avec le fil, maintenant sont brodés et ils sont validés. Voilà. J'espère être assez claire dans mes explications. Voilà. Mais je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, allez-y. Voilà. Alors, vous voyez là, par exemple, le 3860, c'est celui que je vous montrais en exemple. Vous voyez, il se met en jaune. Voilà, vous voyez, partout où il est à broder, il est mis en surbrillance. Alors, les diagonales, pour ce genre de broderie en partiel, ce n'est pas la peine. Les diagonales, c'est beaucoup plus pour. Donc là, je vais les retirer. Donc, si vous voulez retirer les diagonales, vous appuyez sur diagonale et vous décochez ici. Hop, voilà. Pour les partiels comme ça, c'est vraiment pas la peine de mettre des diagonales. Vous laissez juste les carrés, ça vous suffit largement. Qu'est-ce que je voyez ici? Vous avez une ligne orange. Voilà, ce sont les pages. Donc là, vous avez une première page ici. Vous avez une deuxième page ici, voyez, et troisième page, elle est au bout. Voilà, donc là, c'est une broderie qui est en 6 pages. Et voyez la couleur qu'on a validée tout à l'heure, elle reste en surbrillance tant que vous ne l'arrêtez pas, tant que vous ne changez pas de couleur. Qu'est-ce que je peux vous. Ah ben, voyez là maintenant, mes chiffres ont changé puisqu'on a fait semblant de broder. Maintenant, tout à l'heure on était à 18, maintenant on est à 47. Vous voyez sur le côté à gauche en vertical, c'est marqué 47 brodés aujourd'hui. Et donc voilà. Et ça, le chiffre 47 avec la barre et les 16 515,
Le 47 va changer tous les jours également. Il va augmenter au fur et à mesure que vous allez broder, comme le pourcentage, bien sûr. Le chiffre entre le pourcentage et le 47, lui, ne changera pas, puisque c'est votre nombre total de croix. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va retourner ici sur la page d'accueil. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs broderies en cours, enfin en cours, enregistrées. Ici, par exemple, on va prendre mon HAED que je fais en ce moment. Vous avez trois petits traits. Ah, j'étais trop vite. Allez, retourne. Cette page-là, c'est vrai, on ne peut pas l'agrandir. Il y a Mini Asian Fantasy. Vous allez cliquer sur les trois petits traits. Voilà. Donc, vous avez ouvrir la grille, modifier les informations du graphique, afficher le PDF, voir l'aperçu, modifier la légende, importer la progression et exporter la progression. Ça, je ne l'ai jamais fait. Importer et exporter la progression, je ne l'ai jamais fait. Et exporter en PDF non plus. Moi, c'est très rare que je m'en sers. Et vous avez recette progress. Ça, c'est pour remettre à zéro. Voilà. Ici, afficher le PDF. Donc, on va cliquer dessus. Et voilà, j'ai mon PDF. Comme quand je l'achète sur le site HAED. Je vous ferai une vidéo hein, cette semaine de ça. Voilà, donc là, vous voyez, c'est le PDF. Là, la grille, à part l'agrandir, je ne peux rien cliquer. Hein, voilà. C'est juste le PDF ici. Hop. Donc, je rappuie sur les trois. Alors, voir l'aperçu. Voilà. Quand vous faites voir l'aperçu, vous voyez le dessin. Et donc, vous voyez le dessin en mode comme s'il était brodé. Voilà, vous voyez le résultat. Hop, je rappuie. Modifier la légende. Alors, la légende est ici. Bon, moi, je ne vais pas la modifier, hein, bien sûr. Mais dans ce cas-là, vous allez cliquer, voilà, sur, par exemple, 158. Vous voulez changer la couleur. Vous voulez plus que ce soit du bleu, vous voulez que ce soit du jaune. Je ne vais pas le faire parce que moi, ma grille, je n'ai pas envie de la modifier. Vous mettez la référence DMC à la place du 158 et vous allez appuyer ensuite sur sauvegarder. Ici, vous avez les listes des fils que vous pouvez enregistrer. Donc, vous avez le DMC, le Anchor, le Sullivan, le Madeira, le Paternayan, ça je connais pas du tout, et le custom. Voilà. Donc avant de mettre votre référence, ben, vous mettez le fil que vous allez utiliser, la marque. Vous avez des mélanges de couleurs. Alors, est-ce que, où est-ce que là sur celle-là, j'en ai pas. Je crois que j'ai mélange de couleurs, j'en ai sur laquelle? Ah bah, mon petit dragon. Hop. On va faire. Voilà. Alors, j'avais des mélanges de couleurs. Voilà, vous les voyez ici en bas. On va cliquer sur une. Vous voyez que là, j'ai deux références DMC. Pour faire des mélanges de couleurs, donc quand vous devez utiliser un fil d'une couleur avec un fil d'une autre couleur, vous allez cliquer sur ce genre de petite pelote là, ici. Voilà, voyez. Là, si j'appuie dessus, vous voyez, ça se met vert uni. Je rappuie dessus. Les deux têtes de cheval sont noires. Je vous remontre. Vous voyez là, elle était grise. Je rappuie, les deux sont noirs. Et la couleur, eh bien, vert, il y a deux verts différents. Voilà. Donc, quand vous avez des couleurs comme ça mélangées, vous pouvez le faire également sur Pattern Keeper.
et ensuite vous sauvegardez. Alors, la seule chose que l'on n'a pas sur... là, c'est le PDF, vous voyez, c'est la grille, mais en PDF. Voilà, là, c'est l'aperçu. Vous avez aussi les options avancées. Ça, je ne les utilise jamais, 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 jamais. Ça sert à rien, de toute façon. C'est pour des codes de couleurs, voilà, mais... voyez, attribuer un gris neutre pour tous les symboles non référencés. Bon, moi, ça, j'utilise pas. Voilà. Donc, je ne vais pas plus dessus. La seule chose que vous n'aurez pas sur Pattern Keeper, ce sont les points arrière. Bon, ça, c'est pas dessus. Mais bon, souvent, moi, les points arrière, du coup, je reprends mon patron papier ou mon PDF que je mets sur ma tablette directement. Et voilà. Bon, là, est-ce que j'ai... Non, c'est le PDF simple que j'avais mis pour le dragon. Alors, attendez. Est-ce que j'ai un PDF avec des points arrière? Non, là j'ai pas de PDF avec les points arrière marqués. Mon gnome d'automne, je ne crois pas non plus. Ah bah si, mon gnome d'automne, si. Voilà. Hop, voyez, là j'ai mes points arrière, mais parce que j'ai ouvert le PDF. Voilà. Quand vous avez les points arrière sur le PDF, ici mettre. Donc du coup, vous ouvrez le PDF et vous suivez vos points arrière. Vous voyez, c'est ce qui est bleu, vert, rose. Voilà. Et là, vous voyez, sur ce PDF-là, il y avait sans les points arrière, avec les points arrière. Voilà. Donc ça, c'est la seule chose qui manque sur Pattern Keeper, mais c'est pas la chose la plus grave. De toute façon, je vous dis, le point arrière sur papier ou alors en PDF, ça vous suffit largement. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Alors, les grilles que vous enregistrez restent enregistrées jusqu'au temps que vous les supprimez. Là, alors, je vous montre comment on supprime, mais je ne vais pas le faire. Alors, il est où? Par exemple, mon petit dragon. Alors, vous appuyez sur les trois traits. Hop. Et vous voyez, tout en bas, il y a une petite poubelle marquée supprimer. Et ben, c'est tout simple. Vous appuyez sur supprimer et ça retirera la grille de votre pattern keeper. Si vous avez fini de le broder, par exemple, et que vous n'en avez plus besoin, vous faites ça, vous supprimez, et puis c'est tout. Voilà. bah oui, je pense vous avoir fait tout le tour de ce logiciel. Alors, vu le prix, n'hésitez pas, hein, parce que c'est, je vous dis, 9$, donc dans les 11 euros pour toute l'année, pas toute l'année, toute la vie. Vous ne paierez qu'une seule fois. Allez-y. Alors, ce que je n'ai pas dit, ce logiciel-là n'est pas fait pour les... comment ça s'appelle? Pour Apple. Voilà. Apple, c'est un autre logiciel. Bon, celui-là, moi, je ne peux pas vous le montrer, puisque je n'ai pas Apple ni sur mon ordi, ni sur ma tablette, ni mon téléphone. Donc là, je ne peux pas vous aider. Mais voilà. Bon. De toute façon, je pense qu'on est quand même plus nombreux à être sous Android. Voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure. On est plus nombreux à être sous Android que sur Apple, je pense. Mais il existe un logiciel également pour Apple.
Donc, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, pour celles qui achètent les grilles de Sabine, Sabine a marqué sur les. Quand vous achetez les box, il y a la feuille. Il y a une feuille où elle marque Pattern Keeper et il y a le nom de l'autre logiciel exprès pour les Apple. Voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir bien aidé dans cette vidéo. Hop, j'ai ouvert une grille de Sabine sans le faire exprès. J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir donné envie d'avoir ce logiciel et j'espère vous avoir apporté des réponses pour celles qui pataugeaient un petit peu avec ce logiciel. Si vous avez des questions, ben je vous dis, hein, n'hésitez pas. Je vous donnerai les explications autant que je peux le faire. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!